régionales et les télévisions locales vous présente le Club des Territoires. Et avec nous aujourd'hui, l'éditorialiste politique Yannick Halimi. Bonjour, bonjour Yannick, merci beaucoup d'être avec nous. Et Benjamin Morel, bonjour Benjamin, merci beaucoup d'être là. Benjamin, il a spoilé un truc sans le savoir. On va en parler tout à l'heure. On va parler d'abord de la crise agricole. Mais vous nous connaissez bien. La crise agricole, les agriculteurs qui maintiennent la pression malgré les annonces du Premier ministre. Demain s'ouvre le salon de l'agriculture. Emmanuel Macron promet un grand débat avec les acteurs du monde agricole. Ce sera sur place au salon. Peut-il calmer le mouvement? Et avec quelle réponse? On va en parler avec vous. Quentin, on a beaucoup parlé en début de semaine de ces 10 milliards d'euros d'économies annoncées par Bruno Le Maire. Est-ce qu'on sait qu'il va être touché? Voilà, le décret a été publié. On va voir le détail ensemble, précisément sur ces 10 milliards de coupes budgétaires, effectivement. Ce sera la suite. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et on va voir l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va dans les Vosges où on retrouve Marion Jacob. Bonjour Marion, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir dans ce club. Vous êtes chef d'agence à Saint-Dié-les-Vosges pour Vosges Matin. Et on va commencer avec cette une de Vosges Matin. C'est une nouvelle affaire de meurtre dans les Vosges. Oui, effectivement, ça s'est passé mercredi après-midi, donc ça s'est passé à Bruyères. C'est une petite ville de 3200 habitants, on est à 25 km d'Épinal. Un homme de 62 ans a été retrouvé mort chez lui, dans des circonstances qui restent encore à établir. En tout cas, un homme a été arrêté, c'est un SDF que la victime hébergeait depuis quelques semaines, donc on ne sait pas tout encore, hein. On sait simplement qu'il a été interpellé par la gendarmerie, qu'il a reconnu les faits, mais ce qui choque en fait dans le département, c'est la montée de la violence, parce que c'est le troisième meurtre en moins de 2 mois, et dans les Vosges, on n'est vraiment pas habitué à ça, c'est un territoire qui est plutôt rural, plutôt tranquille, et du coup il y a beaucoup de craintes de la part des habitants de voir toute cette flambée de violence qui a l'air de dépasser un petit peu tout le monde. Donc encore une fois, dans l'affaire de Bruyères, l'enquête est vraiment en cours, il reste encore pas mal de zones d'ombre à établir, mais les voisins que nous avons pu rencontrer, les voisins de la victime, se disent inquiets. Ils disent qu'ils font de plus en plus souvent appel aux forces de l'ordre, ils signalent de plus en plus de trafic, de violences intrafamiliales aussi, et du coup il y a vraiment beaucoup d'inquiétude à ce niveau-là. Et puis Marion, on va parler d'un autre sujet puisque c'est demain l'ouverture du salon de l'agriculture et les élèves du lycée hôtelier de Gérardmer s'apprêtent à se rendre à Paris. Oui, c'est un sujet un petit peu plus léger, effectivement. Donc je pense que vos téléspectateurs connaissent sans doute Gérardmer, la station de ski. À Gérardmer, il y a un lycée hôtelier qui a l'habitude d'assurer notamment les repas au Festival international du film, fantastique. Et donc là, certains de ses élèves vont assurer la restauration sur un stand au Salon de l'agriculture pendant 10 jours. Ça va leur faire de grandes journées parce qu'il faut assurer le matin avec le petit déjeuner jusqu'au soir à la gestion du bar. Pour certains, ce sera l'occasion de visiter la ville, de rencontrer des personnalités aussi, et puis de se frotter carrément au monde du travail, parce qu'il va falloir assurer. Alors, on ne peut pas tout dire, mais on sait qu'il y a une petite surprise qui est prévue pour eux. Ah, on va, la surprise, on la lit dans Vosges Matin, du coup. Suspense. Elle va en lire à Vosges Matin avec attention. Merci Marion, on était ravis de vous accueillir dans ce club. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On revoit la une de Vosges Matin, ce fait divers dont vous nous avez parlé. Un sexagénaire tué, celui qui l'hébergeait arrêté. Merci Marion d'avoir été avec nous. Et puisque vous nous parliez du salon de l'agriculture, on va en parler. C'est le premier thème de ce club. Il s'ouvre demain et les agriculteurs maintiennent la pression. Ils demandent des actes. Pour leur répondre, Emmanuel Macron organisera donc un grand débat demain matin au salon, une initiative qui est déjà marquée par un premier couac. On voit ça avec Mathias Arez. Une colère qui ne désemplit pas. Ce jeudi, et malgré les annonces de Gabriel Attal, un convoi d'une cinquantaine de tracteurs s'en est pris à la préfecture du Pas-de-Calais, à l'appel de la coordination rurale. C'est beau de parler, mais on veut des actes, et les actes sont toujours à la veille du salon de l'agriculture, quoi. Pourtant, le gouvernement l'assure, il est à la manœuvre et les résultats se feront bientôt sentir. Parfois, j'entends des gens dire que ça va trop lentement. Enfin, en 3 semaines, on a fait des trucs, je pense, qui étaient attendus depuis 15 ou 20 ans. Mais vous voyez bien que les sujets européens, c'est pas en 3 jours. Enfin, je veux dire, si je dis ça, je raconte des boniments aux agriculteurs. Voilà, après, on a aussi un dialogue que je trouve assez fructueux avec un certain nombre d'organisations syndicales. Le dialogue, c'est également celui voulu par Emmanuel Macron. Le président de la République a annoncé son souhait de débattre avec l'ensemble des acteurs du monde agricole ce samedi.
Dans un premier temps, l'Élysée annonce que le collectif des soulèvements de la terre sera convié, avant une levée de boucliers de la FNSEA. L'invitation par le président au Salon de l'agriculture d'un groupuscule dont la dissolution a été demandée par son propre gouvernement est une provocation inacceptable pour les agriculteurs. J'avais accepté de participer à un débat. Dans ces conditions, je refuse de prendre part à ce qui ne sera qu'une mascarade. Quelques heures plus tard, rétropédalage. Les soulèvements de la terre ne sont finalement plus les bienvenus, déclare l'Élysée, pour garantir la sérénité des débats. Sur la méthode d'abord, Yannick, est-ce que le grand débat qu'annonce demain Emmanuel Macron, c'est la bonne méthode pour répondre aux agriculteurs ? Écoutez, c'est une méthode. J'allais dire, comme une autre. Non, pas tout à fait, parce qu'effectivement, elle est relativement exceptionnelle. On a beau dire que ça devient un rituel depuis les Gilets jaunes pour Emmanuel Macron. Bon, il n'empêche que c'est quand même quelque chose de spectaculaire et qui reste tout de même exceptionnel, surtout sur la grande scène de la grande ferme et la plus grande ferme de France qui va ouvrir ses portes donc ce week-end pendant une dizaine de jours. Donc on va voir comment ça va bien sûr se dérouler. Mais le fait que le président de la République joue, on va dire, les deux corps, vous savez, les deux corps de l'autorité, le corps de justement du prince, de l'autorité, de la puissance d'État, qui est, on va dire, l'Emmanuel Macron qui reste à l'Élysée et qui est plus parisien, plus président des villes que président des champs, en tout cas voilà. Et puis, il y a le corps aussi du roi ou le corps du président de la République, c'est-à-dire physiquement, qui apporte un contact direct avec l'opinion publique ou avec une partie de l'opinion publique, en l'occurrence. On peut s'en moquer. C'est aussi un événement tout de même qui n'est pas que symbolique ou de communication, parce que ça permet tout de même par la parole, par la présence physique avec, encore une fois, une partie de l'opinion publique, de retisser ou de solidifier des liens de confiance qui se sont pour le moins délités entre le président de la République, l'exécutif en général et en l'occurrence les agriculteurs et tout le monde rural qui sera présent au salon de l'agriculture demain. Ouais, Benjamin, il réitère cette méthode du grand débat hein, déjà employée pendant les Gilets jaunes. Ça peut permettre, comme le dit Yannick, de retisser des liens de confiance, je reprends son expression. Il y a deux avantages pour lui, il y a deux dangers. Concernant les avantages, d'abord, il est bon dans cet exercice. Hein. Il y a des exercices dans lesquels Emmanuel Macron n'est pas bon, c'est par exemple les longs discours où, en règle générale, il n'y a que lui qui pense qu'à la fin, l'électorat et les auditeurs suivent. En revanche, dans l'interaction, il est assez bon. Et il en use et il est en capacité, en effet, de retourner une partie de son auditoire, ce qui est quand même une qualité assez rare. Et donc là, il est plutôt dans son élément. L'autre élément positif pour lui, c'est que malgré tout, dans ce cadre-là, il n'a pas non plus été très entendu sur la scène intérieure. Il s'est concentré sur la scène européenne, Gabriel Attal se concentrant sur la scène nationale lors de la crise. Donc là, il arrive, entre guillemets, comme celui qui peut régler potentiellement un certain nombre de solutions et qui, tout d'un coup, donne le sentiment que le chef de l'État, celui vers qui tout le monde se tournait il y a un mois, intervient directement, est en capacité d'agir. Les points négatifs et les points dangereux, là aussi, ils sont doubles. D'abord, c'est une corde qui est un peu usée. Il n'est pas certain que l'opinion garde forcément un bon souvenir du grand débat, notamment de ses conclusions, dont d'ailleurs elle ne cerne peut-être pas forcément quelles elles ont été. Donc ce faisant, il y a un risque quand même de tenter d'user jusqu'à la corde une solution qui ne fonctionne plus. Le deuxième élément, et qui est peut-être le principal problème pour lui, c'est que le grand débat, c'est quoi ? Le grand débat, c'est « j'ai pas de corps intermédiaire, j'ai personne à qui m'adresser, donc je vais rencontrer directement les Français ». Et ça fonctionne plutôt, même si on prend des maires, des gens qui peuvent représenter un interface. Mais il y a ce sentiment que tout d'un coup, le président est accessible. Là, des corps intermédiaires, il y en a. Il y en a, et en plus, ils sont fragilisés. Ils n'ont pas très très envie, souvenez-vous Jérôme Bel, qu'on leur passe par-dessus la tête. Donc si jamais vous êtes dans ce rapport d'interaction directe, alors que vous avez une FNSEA qui, elle, attend que vous lui parliez dans les coulisses pour co-gérer le monde agricole, comme c'était le cas pendant des années, ça risque de pas forcément faire plaisir à ceux qui, in fine, ont les capacités de remobiliser le monde agricole. Oui, il y a effectivement donc le président de la République qui va être au milieu du ring, littéralement, puisqu'il y a ce
dans le hall 1, cet endroit où on fait défiler les animaux pour le concours général agricole. Et c'est au milieu de cet endroit qu'on peut qu'il y a le plus d'espace pour organiser un débat. Et alors ce qu'on comprend aussi, c'est que l'Élysée donc veut remettre présent au centre du jeu, mais également que Emmanuel Macron veut aussi faire dialoguer entre eux des acteurs qui se renvoient la balle depuis des années sur la crise que vivent les agriculteurs. Et donc ce que dit l'Élysée, c'est pourquoi pas faire interagir Leclerc avec le transformateur et qu'ils puissent se parler. Et ainsi aussi pour le chef de l'État, c'est aussi renvoyer vers les acteurs la responsabilité de la crise. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas que les agriculteurs, c'est tous les acteurs du monde agricole. Absolument. Alors, tous les acteurs sauf un, maintenant j'ai peut-être mal entendu, j'ai peut-être pas lu tout ce qui a été dit et écrit, je n'ai pas l'impression qu'il y ait les associations de consommateurs. Enfin, je me trompe peut-être, mais j'ai lu effectivement, bien sûr, les agriculteurs et tous les représentants de nombreuses filières, les grands distributeurs, en tout cas ceux qui veulent bien venir, certains transformateurs industriels, des associations écologiques, on va peut-être revenir sur le couac tout à l'heure, voilà. Je n'ai pas entendu parler des associations de consommateurs, mais c'est quand même un problème. Mais pour répondre à votre question, je ne pense pas que le président de la République va se mettre en retrait pour dire, mesdames et messieurs, discutez entre vous. En revanche, ce qui risque d'apparaître et qui peut aussi, mais là, ça risque d'être quand même du court terme comme phénomène et comme impression, on va voir peut-être que tous les acteurs ont des désirs, des ambitions, des doléances complètement contradictoires les unes avec les autres, voire à l'intérieur même de leurs propres doléances. Et ça va peut-être montrer, pour ceux qui regarderont ce grand débat, la complexité du travail de l'exécutif aujourd'hui. Bon, ça durera ce que ça durera, mais tout de même, il semble, tout de même, je terminerai là-dessus, que le président de la République, en tout cas, encore une fois, n'invitant pas, enfin encore une sous réserve d'inventaire, les associations de consommateurs, passe quand même à côté d'une problématique qui est au-delà des problèmes de l'agriculture stricto sensu, des revenus des agriculteurs, de l'écologie, qui est le prix. Le prix et le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous. Dernier point qui risque de mettre en difficulté, en tout cas qui met un bémol à l'efficacité de l'exercice, c'est qu'il va falloir, et c'est ce qui manque aujourd'hui, parce que c'est extrêmement compliqué, attention, faire une synthèse entre toutes ces injonctions contradictoires, entre les revenus des agriculteurs, les contraintes et les nécessités écologiques, et encore une fois, le pouvoir d'achat des Français. Ce sont autant de dispositions et de lignes directrices à moyen et à long terme qui, à mon avis, vont avoir du mal à être mise en exergue lors de ce débat de demain qui durera 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Mais à mon avis, ça risque d'être même insuffisant pour essayer d'établir des lignes claires. Encore une fois, c'est compliqué à le faire. Alors, d'autant qu'il risque d'y avoir un gros problème sur ce débat, parce qu'hier, il y a eu ce couac. C'est-à-dire, le président de la République avait invité tous les acteurs, y compris les soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre, c'est un groupuscule dont le gouvernement avait demandé la dissolution. Conséquence, Arnaud Rousseau a dit que dans ces conditions, il ne participerait pas au débat. L'Élysée a désinvité les soulèvements de la Terre, mais la FNSEA confirme ce matin qu'elle n'ira quand même pas au débat. Est-ce que, du coup, un grand débat sans la FNSEA, ça fait pas pchit? Bah, disons, ça fait problème, en tout cas. Et en effet, c'est-à-dire que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. La FNSEA, aujourd'hui, c'est le mastodonte dans le monde agricole. Donc, si vous commencez à le mettre en confrontation avec diverses associations, diverses structures, vous le marginalisez. Ça, c'est pas acceptable aujourd'hui pour la FNSEA. Par ailleurs, on évoquait tout à l'heure un Emmanuel Macron qui mettrait face à leurs contradictions les acteurs. Les acteurs sont déjà conscients de leurs contradictions internes et externes. Et donc, ce faisant, lorsque vous les mettez en porte-à-faux, avec un président de la République maître d'école, vous ne leur plaisez pas vraiment. Donc l'idée que comme ça, il pourrait y avoir, je dirais, un grand débat devant lequel on pourrait laver le linge sale en public, c'est pas quelque chose qui est structurant de ce champ économique-là. Donc là, il y a probablement un problème de méthode. L'autre problème de méthode, évidemment, c'est les soulèvements de la Terre. Et là, pour, comme dirait l'autre, c'est un peu croquignolesque, parce que en effet, les soulèvements de la Terre n'ont pas été dissous. Fort bien, parce que le Conseil d'État jugeait que ce n'était pas proportionné. Mais souvenez-vous, Gérald Darmanin, qui les traite d'éco-terroristes il y a quelque temps. On peut discuter l'arrêt du Conseil d'État, on peut discuter l'intérêt de la dissolution. Néanmoins, quand vous allez jusqu'à tenter de dissoudre une association, vous ne l'invitez pas ensuite à débattre. Vous considérez qu'elle sort non seulement du champ républicain, mais même du champ démocratique, et qu'elle se caractérise par une action violente. Donc à partir de là, on peut comprendre que la FNSEA saisisse probablement ce prétexte
pour faire que, pour que la chose fasse pchit. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Benjamin Morel dans la mesure où le droit a parlé. On peut penser encore une fois ce qu'on veut du Conseil d'État et de ses décisions plus ou moins politiques, ça je n'en sais rien. En tout cas, ils ont quand même le sceau de l'efficacité et de la légitimité juridique. Tout de même, une fois qu'une association aurait pu être dissoute, cet acte de dissolution a été annulé par le Conseil d'État, je ne vois pas le président de la République ou ses services dire on n'invite pas le soulèvement parce qu'on a voulu le dissoudre. Et malgré l'autorisation du Conseil d'État, en tout cas la décision du Conseil d'État d'effacer cette décision de dissolution. Donc moi je pense que l'exécutif ne pouvait pas faire autrement. Maintenant ce qui m'étonne, c'est que la FNSEA, qui bien sûr avait été au courant j'imagine, ou alors c'est d'une improvisation terrible, qui ne serait peut-être pas étonnant de la part des services de l'Élysée, mais de ne pas avertir la FNSEA de l'ensemble des acteurs qui y étaient conviés. Le pas en arrière de l'exécutif, moi je trouve que tout ça est de l'improvisation et de l'amateurisme. C'est une sorte d'amateurisme ou d'un manque de courage ou d'un manque de cohérence, on mettra le qualificatif qu'on veut. Bref, dans la mesure où cette association n'est plus invitée, je ne vois pas pourquoi la FNSEA ne vient pas. Donc c'est aussi de l'incohérence de la part d'une FNSEA, attention, qui est certes le plus gros représentant de la profession, mais qui depuis le début continuait dans sa politique, on peut la critiquer, mais qui était celle de la négociation et de l'accord. Effectivement, c'est une sorte de co-gestion depuis des décennies entre l'exécutif et la FNSEA, qui était presque coulé dans le marbre du fonctionnement du monde agricole. Bref, la FNSEA aussi manque d'une certaine cohérence à vouloir dire oui aux propositions du gouvernement, à signer certains accords et puis après pousser par la base ou pousser par une surenchère aussi, une concurrence entre les organisations syndicales, en l'occurrence FNSEA, CNJA d'un côté, et bien sûr Coordination Rurale de l'autre, tout ça est avec à l'horizon de 10 mois d'élections aux chambres agricoles en janvier 2025, tout ça manque de cohérence, et on peut critiquer effectivement les improvisations, les manques de courage de l'exécutif, mais on regarde la FNSEA aussi, encore une fois, digne représentant du monde agricole depuis des décennies, ce n'est pas extrêmement professionnel, c'est inefficace et j'allais dire c'est incompétent peut-être, en tout cas ce n'est pas à la hauteur de la vraie crise que traverse l'agriculture et le monde agricole. Oui, la FNSEA, je dirais, joue stratégie, c'est-à-dire que si jamais elle venait, elle serait marginalisée. Elle serait marginalisée entre plein d'acteurs et elle perdrait ce monopole de représentation. Par ailleurs, on évoquait les contradictions. Les contradictions internes aujourd'hui au sein de la FNSEA sont énormes. Évidemment, si jamais vous la mettez dans ce type de bain, vous les faites ressentir. Or, la FNSEA, il n'y a pas intérêt, à la fois pour des raisons internes, pour des raisons électorales et pour des raisons de co-gestion. Parce que pourquoi mettre la FNSEA sur le même plan que beaucoup d'autres acteurs, alors qu'on considère que c'est la structure, je dirais, avec laquelle il faut négocier. Donc là, le format, entre guillemets, n'avantage pas cette organisation, d'où la volonté de faire de l'exit. Mais dans ce cas-là, à la FNSEA, de dire non en amont et puis… – Oui, mais il faut chercher un prétexte. Voilà. Et concernant le Conseil d'État, moi je suis plutôt d'accord avec l'arrêt du Conseil d'État, parce qu'en réalité, il est très cohérent avec la jurisprudence précédente. Mais la liste des nominations, elle est politique. Il n'y a pas d'impératif de représentativité des personnes qui vont être désignées dans le cadre de ce grand débat. C'est fondamentalement politique. Pourquoi les soulèvements de la terre, qui d'ailleurs ne pèsent pas grand-chose en termes de militants? Quel est le degré de représentativité du soulèvement de la terre? Nul à peu près. Il vaut mieux des grandes associations écologistes. Donc le fait de choisir les soulèvements de la terre et pas une association qui a plus de militants en province par exemple, c'est un choix politique. Ce choix politique, bien sûr, quand vous considérez que l'association n'est non seulement pas représentative, mais qu'en plus vous l'avez mis au banc en considérant qu'il faut la dissoudre, c'est un choix politique qui n'est pas cohérent par rapport à d'autres choix que vous avez faits. Non, c'est un choix qui a été extrêmement compliqué. Et on connaît l'envie et le désir d'Emmanuel Macron d'aller au combat, y compris avec ses pires ennemis. On l'a vu avec le Rassemblement national, d'ailleurs, à géométrie variable de ce fameux arc républicain. Je ne vous dis pas que c'est totalement cohérent, effectivement, dans la stratégie et de communication essentiellement du président de la République, mais ça a aussi une certaine
légitimité, qu'on le veuille ou non, et d'opportunité, parce que inscrire sur une liste rouge ou une liste noire des associations pour telle et telle raison, ça devenait aussi compliqué politiquement à gérer. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Et ce qui aurait pu être quand même, encore une fois, un élément de catharsis, peut-être pas de grande démocratie, mais enfin le fait qu'un président de la République vienne parler en pleine crise avec les acteurs qui sont au cœur de cette crise, moi me paraît pas complètement inutile. Si ça tourne effectivement à la mascarade, écoutez. Non mais d'autant que c'est vrai que ça fait des jours que l'exécutif fait tout pour calmer la colère des agriculteurs, pour se réconcilier avec. Et là ce matin, on a Arnaud Rousseau qui parle de cynisme intolérable pour les agriculteurs. Est-ce que du coup, ça met à mal tout ce que fait l'exécutif depuis des jours ? Bah, c'est pour ça que ce grand débat au salon de l'agriculture est peut-être une fausse bonne idée. Mais... C'est-à-dire qu'on va être tout à fait franc, on a un exécutif qui aujourd'hui navigue un petit peu à vue. Hein. On l'a vu lors de la nomination du gouvernement. On a un Emmanuel Macron qui a du mal à assurer la suite de son quinquennat. Pas de majorité, fragilité politique. Bref, on connaît la situation. Et donc, on a l'impression que l'exécutif se réfugie sur des méthodes qui ont naguère fonctionné, mais qui ne sont peut-être pas forcément adaptés aux crises d'aujourd'hui, ou en tout cas à la singularité, en l'occurrence, de la crise agricole. Ce n'est pas parce que le grand débat a été une planche de salut lors des Gilets jaunes qui peut permettre de surmonter toutes les difficultés. En l'occurrence, ici, il est probable que pour des raisons de stratégie d'acteur, soit plutôt quelque chose de contre-productif. Je ne suis pas sûr qu'une déambulation, encore une fois, si ce grand débat tourne à la mascarade, je suis totalement d'accord avec vous. Mais peut-il avoir lieu sans la FNSE Oui, voilà, ou effectivement, ou manque de légitimité. Ça risque de faire boule de neige. Mais le rituel du salon d'agriculture, qui est la déambulation pendant des heures d'un président de la République, je ne suis pas sûr que ça aurait été mieux adapté à la situation actuelle de l'agriculture et de la situation politique en général. Il nous reste quelques minutes pour parler de ce second thème. On va parler des 10 milliards d'économies annoncées par Bruno Le Maire. Quentin, on a les détails. Voilà. Dimanche soir, Bruno Le Maire en avait fait l'annonce effectivement aux 20h de TF1. Même si, Oriane, et on en parlait sur cette antenne depuis le début du mois de janvier, ça fait des mois qu'il parle de ces annonces, prépare les esprits à ces annonces. Mais ça y est, le décret du gouvernement a été publié au Journal officiel hier matin. Au total, ce sont des dépenses annulées dans 29 domaines. Beaucoup de sujets sont concernés. Enseignement supérieur, justice, défense, trois petits points. Trois petits points parmi les volets mis à contribution. Il y en a deux dans le programme écologie, développement, mobilité durable. Voilà. Celui sur l'énergie, le climat, l'après-mine, raboté d'1 milliard d'euros. Tandis que le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires perd 400 millions d'euros. On aurait pu citer le volet travail-emploi, un rabot de 1,1 milliard. La recherche, l'enseignement supérieur, c'est 900 millions de crédits annulés. Enfin, l'aide au développement, Oriane, perd 740 millions d'euros sur un budget total de plus de 15 milliards d'euros. Mais c'est en fait, peu ou prou, toute l'augmentation qui avait été prévue au budget de l'an dernier qui a été effacée. Écoutez les explications du ministre du Budget sur les conséquences concrètes de ces coupes. C'est aussi des projets auxquels nous allons renoncer. On l'a dit avec l'aide publique au développement, quelques projets internationaux, quelques projets que nous menons avec les collectivités territoriales. Et enfin, nous revoyons certaines politiques publiques. C'est le cas de MaPrimeRénov, sur lesquelles nous allons limiter la hausse du budget et puis le compte personnel formation sur lequel nous allons mettre en place un ticket modérateur, non pas pour les demandeurs d'emploi, mais pour les salariés et les entreprises qui bénéficient de ce dispositif extrêmement généreux, 2 milliards d'euros consacrés au compte personnel formation. Voilà, on voit des conséquences très concrètes. 10 milliards d'euros qui concernent les dépenses de l'État, ainsi 134 millions d'euros en moins pour les crédits alloués à la police nationale, je continue la liste. L'administration pénitentiaire, c'est 118 millions d'euros en moins. Et donc, on l'explique, l'idée, c'est de tenir l'objectif de réduction du déficit à 4,4% du PIB en 2024, avec une croissance moins forte, puisqu'elle est évaluée maintenant à 1% par le gouvernement et non plus 1,4%. Faut voir un choix politique dans le détail de ces 10 milliards d'économies, Jeanne Calimi. Écoutez, moi j'aurais du mal à avoir une volonté et un choix politique véritable vu que ça prend le contre-pied des mesures annoncées et surtout des axes même stratégiques annoncés il y a quelques mois. L'éducation, c'était la mère de la démocratie, enfin c'était au cœur du programme d'Emmanuel Macron, encore réaffirmé il y a quelques mois par le président de la République. L'écologie, ça devait être le siècle de l'écologie, le quinquennat de l'écologie. On voit le quinquennat serait écologique ou ne serait pas. Voilà.
Et exactement. Donc c'est difficile d'y voir véritablement une volonté programmatique, encore une fois, vu qu'elle est à contre-courant des propos tenus il y a quelques semaines ou il y a quelques mois par les deux têtes de l'exécutif. C'est d'autant moins stratégique qu'une partie de ces crédits, pour autant qu'on le sache, touche non pas à des dépenses de fonctionnement qui pourraient être légitimes au regard effectivement du poids de l'administration dans nos dépenses publiques que tous les partis politiques de droite comme de gauche critiquent, mais que ça touche à des dépenses d'investissement, que ce soit dans l'écologie, que ce soit dans la formation professionnelle, que ce soit l'éducation nationale. Ouais. Et troisième point, très rapidement, ce que je disais, c'est qu'on aimerait en savoir plus, c'est que tout cela manque terriblement de transparence. Où sont véritablement coupés les crédits? Est-ce que ce sont des crédits qui sont déjà votés? Est-ce que ce sont dans des réserves de dépenses? Et puis, je pense que Benjamin Morel va mieux en parler que moi, ça passe par un décret pour le moment et par un projet de loi. Ouais. Et là, c'est un manque de transparence quasiment démocratique. Benjamin, je vous passe la parole. Voilà, faites la transition, Jannick, c'est parfait. Il y a un risque juridique, c'est certain. Hein. C'est-à-dire que quand vous devez trouver 10 milliards de plus, en règle générale, ça passe plutôt par un projet de loi de finances rectificatives. Donc là, on peut avoir éventuellement une question qui va être une question juridique, jurisprudentielle, à voir, mais il n'est pas sûr que tout ça soit assuré. Ensuite, sur le fond, c'est l'illustration de ce qu'on appelle des économies de bout de chandelle. Hein. C'est-à-dire que vous avez pas assez d'argent pour finir le mois, et sur quelles dépenses je peux renoncer? J'achète un plus petit paquet de pâtes, et voilà, et en espérant que ça passe du point de vue budgétaire. Donc on en est là. Le problème, c'est que toutes ces dépenses, on ne sait pas exactement dans certaines administrations comment on va pouvoir les faire. La pénitentiaire qui est déjà à l'os, dans une situation catastrophique. Hein. Je vous rappelle qu'on a été condamné deux fois par le CDH pour l'état de nos prisons, qu'on est passé en quelques années d'un détenu pour 50, surveillant pour 50 à un surveillant pour 150 dans certains établissements. Donc c'est de la folie. Pour cette raison-là, entre les annonces qui ont été faites et la réalité sur le terrain, il risque d'y avoir beaucoup d'hiatus et beaucoup de défiance. On suivra ça. On reparle du salon, puisqu'il s'ouvre demain, on l'a dit, parmi les centaines d'animaux que vous pourrez voir, une star, la vache égérie du salon, cette année, elle s'appelle Oreillette, elle vient de l'Orne, en Normandie. Jérôme Rabier nous l'a fait découvrir. Les visiteurs du salon ne pourront pas la rater. Oreillette, c'est son nom, sera à l'entrée du hall 1 pour toute la durée de l'événement. Venue de Briouze, dans l'Orne, elle affiche côté mensuration 800 kilos sur la balance et 1,56 m de haut, de quoi faire la fierté de son propriétaire. Une vache qui correspond bien à la race normande, hein, en morphologie, après dans la couleur, parce qu'il y a les trois couleurs pour la race normande, les lunettes, donc ce qu'ils recherchaient pour faire la vache égérie. Mais Oreillette n'est pas qu'une vache à concours. Si elle a été choisie, c'est aussi pour ses qualités de lactation. Sa production alimente une fromagerie locale, produisant notamment du camembert et du Pont-l'Évêque, typique de la région. Oreillette a 5 ans, donc j'ai dit elle est en troisième lactation. C'est une vache qui est très calme, une bonne productrice aussi, hein, puisque en deuxième lactation, l'année dernière, elle a produit 9800 kg de lait standard. Dans son exploitation tenue par la même famille depuis des générations, elle partage le quotidien d'une centaine de congénères. Et si ses qualités sont aujourd'hui mises en avant, c'est aussi grâce à sa lignée, déjà célèbre dans le département. Son arrière-grand-mère, qui s'appelait Ramette, et qui était, je crois, une ou si ce n'est la plus productrice du département de l'Orne, elle a fait une très longue carrière. Donc, et pourquoi Oreillette? Parce que l'arrière-grand-mère Ramette, donc tous les noms des filles, petites filles de ça qui y sont sorties, finissent toujours par Oreillette. Pour 9 jours, Oreillette laissera avec son propriétaire ses 155 hectares normands pour monter à la capitale et y représenter fièrement l'excellence de la race normande. Benjamin, il y a les vaches normandes, mais pas que. Hein. Bah, il y a les salaires quand même, hein. Voilà. Je suis désolé, mais l'Auvergnat préfère quand même les salaires qui ont beaucoup plus de charme. Bon, on ira voir les salaires au Salon de l'agriculture. On continue à en parler. On ira voir Oreillette aussi. Mais oui, non, surtout vous. C'est à la une de nos quotidiens régionaux. C'est quoi? Et quand
Valentin à la une de la presse régionale, le salon de l'agriculture. Voilà, c'est l'heure du dernier coup de pression avant le salon. C'est ce que titre ce matin la Charente Libre à Angoulême avec ses agriculteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui ont investi les rayons de grande surface hier. Ils ont relevé les origines des produits, ont collé des étiquettes pour montrer quand les produits venaient de l'étranger ou qu'il était impossible de le savoir. Le soutien à nos paysans à la une du Midi Libre et le salon sous pression dans Sud-Ouest. Dans les pages antérieures de Sud-Ouest, cet avertissement d'un représentant syndical. Le salon de l'agriculture, ça va être chaud. L'événement commence à Paris demain matin, on a compris, avec l'inauguration du chef de l'État. Et c'est un broglio autour du débat et l'invitation des soulèvements de la terre suscitant la colère du syndicat comme la FNSEA. On en parlait il y a un instant. Beaucoup de une de la presse régionale reviennent sur les 2 ans de guerre en Ukraine. Avec 2 types de une ce matin, certains journaux racontent les 2 ans de guerre, 2 ans d'horreur, comme l'écrit Nice Matin, avec une Ukraine à la peine après 2 ans de guerre, comme dit Ouest France. Certains journaux racontent les parcours de vie de ces Ukrainiens réfugiés en France, comme la Marseillaise, avec ses portraits de personnes venues se réfugier à Marseille. Ils ont dû apprendre une nouvelle langue, se reconstruire en s'occupant des enfants, chercher un logement, un travail, tout en pensant à ceux qui sont restés. Titre ainsi ce matin la Marseillaise. Dans le Berry Républicain, le journal de Quentin, on parle de la lente érosion rurale du Cher. Voilà, chacun ses territoires préférés. Effectivement, le Cher. Le nombre de communes de plus de 1000 habitants a chuté de 103 à 54 en 150 ans autour de l'axe Vierzon-Bourges-Nevers, qui est ainsi, on le comprend, hein, le cœur de la diagonale du vide en France. Faut dire qu'en 150 ans, ces communes ont perdu le train, certains services publics, des emplois. Tout s'explique. La disparition du chemin de fer fut la mort du village, dit ainsi le maire de Vogue. On parle pourtant de territoires très attachants quand on les connaît et on embrasse fort tous les berrichons. Exactement. Le même respire, c'est à la une de la Provence. Oui, on a pourtant assisté à une dure soirée pour les clubs français en Ligue Europa. Rennes, Toulouse et Lens ont été éliminés. Oriane, il n'y a que l'Olympique de Marseille qui sort du lot et se qualifie pour les 8e. Ils ont battu les Ukrainiens du Shakhtar sur un beau score 3-1. Tout s'est joué au Vélodrome avec le nouvel entraîneur qui est sans doute temporaire, hein, Jean-Louis Gasset. Benjamin, de quoi on va parler ? Des marchés de Noël. Et oui, même. Bah, 23 février, c'est. On va parler des marchés de Noël avec Quentin. Voilà, comme on en a eu l'habitude tout l'hiver dans cette revue de presse, autour de cette petite tradition. On réfléchit déjà au marché de l'an prochain. Et face au succès qu'on a vu cet hiver encore, on lit ces débats autour d'un accès limité en termes de nombre de personnes dans ces marchés de Noël, comme à Strasbourg ou à Colmar. Donc en fait, on le comprend, on va parler des marchés de Noël toute l'année en fait. Voilà, c'est pour vous. Que les vendredis. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Benjamin de Morel. Merci. Avec nous. Merci beaucoup, Yannick Alimi, d'avoir été avec nous également. Merci à tous de nous avoir suivis. Quentin, à partir de demain, on vous retrouve avec la rédaction de Public Sénat au Salon de l'Agriculture. Voilà, vous y serez lundi, n'est-ce pas ? Et nous, on se retrouve lundi, exactement. Matinale spéciale au Salon, lundi dès 7h30. On vous souhaite un très bon week-end.